Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Dans l'idée d'ajouter un peu de sel, de pimenter notre groove dans la basse congolaise, il y a une technique qu'on appelle coffrage, c'est-à-dire d'ajouter des ghost notes, des notes mortes, des notes fantômes dans la guaya, dans les seben, dans les mutuash, dans la rumba. Ça fait tellement du bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exercices pour vous aider à ajouter des notes mortes ou du coffrage à votre groove. Restez jusqu'à la fin, j'ai un bonus pour vous. Exercice numéro 1, je vais jouer la même partition sans notes mortes ou sans coffrage et après je vais ajouter des coffrages ou les notes mortes. Vous allez les juger vous-même. Je joue. Et maintenant avec les ghost notes ou coffrage. Alors les notes mortes, je les ajoute, ou les coffrages, je les ajoute à chaque silence. Voilà, exemple, je fais pindoum. Au lieu de rester comme ça, par rapport à ma partition, je fais ces temps libres là, j'ajoute les coffrages ou les notes mortes. C'est-à-dire, vous voyez ma main droite. Alors, je vais faire la même chose sur la rumba. Thank you.
Voilà, c'est ça qui ajoute du sel, du piment dans la musique congolaise. Au lieu de faire les do, je joue la gamme pentatonique pour enrichir notre do. Et je termine sur sa tierce, sur sa troisième note. C'est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me le faire savoir, de commenter, de liker et surtout de vous abonner. Ciao et à très bientôt.